Bonjour, bonjour les amis. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors j'ai fait 54 km pour le moment. Coucou Nanou, je suis à Sauveterre de Guyenne. J'ai fait 54 km. Il me reste 55% de batterie. Et je dois faire 150 km. Autant vous dire que ce n'est pas gagné. Parce que du coup, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver à Agen. Donc ce soir, je vais jusqu'à Agen. Là, je suis à Sauveterre. Et du coup, voilà. Donc j'ai pas trop dormi parce que... Merci Nanou pour la rose. J'ai pas dormi beaucoup. Hein. Je me suis couché, il était 1h30 puisque j'ai décidé de vraiment partir. Je sais pas, il était 11h30, j'ai commencé à réserver un truc. Et donc voilà, donc pour la petite histoire, Madame elle est partie à Caen, puisqu'elle descend de Caen à Parthenay, et moi je vais de Bordeaux à Toulouse, donc c'est rigolo. Là l'idée c'est qu'il va falloir que je charge, je suis parti tôt, là il est 10h30, mais le problème c'est que même si je charge une heure, je pourrais pas... arriver jusqu'à Agen comme ça, donc il va falloir que je charge plusieurs fois. Ça risque d'être un peu la galère, je vous cache pas. Donc je n'ai pas trop filmé pendant que je roulais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent, et en fait c'est chiant le vent. Voilà, le vent c'est pas terrible. Du coup je vais quand même regarder un truc parce qu'il me semble qu'ici il y a une prise électrique qui traîne. Coucou Steph. J'ai encore pas eu la notif. Ah, et bien je sais pas, mais je viens juste de le lancer le TikTok, mais voilà. Donc là, je viens juste d'arriver, Steph, salut. Je suis à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Pourquoi c'est... Oh, merci beaucoup, Nanou. Voilà, donc là, vous voyez, on est donc à Sauveterre. Il me semble qu'il y a des prises ici dans le coin. Merci beaucoup, Nanou. 11 roses, mais vraiment, je te remercie. Il me semble qu'on avait trouvé une prise par là, mais je suis pas sûr. Alors du coup, il y a un endroit où on va quand même... voilà, on a Sauveterre, il y a quand même un endroit où on va pouvoir normalement... où je vais pouvoir recharger en prenant un café. Et oui, alors du coup, excusez-moi, j'étais en train de dire que je filmais pas trop pendant que je roulais parce que ça fait trop de bruit. Mais je ferai sûrement des petits lives quand par exemple, je suis arrêté ou quand il n'y a pas trop de vent. Regardez comment c'est joli ça. On fait un défi, ouais c'est un défi. C'est chaud. Donc alors attends, il y en a qui m'ont mis. Salut, t'es où aujourd'hui? Aujourd'hui je suis à Sauveterre et le défi c'est d'arriver à Agen ce soir. Donc voilà l'idée. Je suis toujours avec ma Giroro. Tu dois aller dans un magasin, le défi, tu dois aller dans un magasin. Mais toi, tu veux que je fasse des défis? déjà, il faut que je charge. Donc, c'est sûr, il faut que j'aille dans un magasin. Il s'en fout totalement. On en est là. Du coup, il faut que j'arrive... ouais, je dois aller à Agen ce soir. Et j'ai 150 km. Et là, vous voyez, j'ai fait 55 km et 54% de batterie. Autant vous dire qu'il faut que je recharge déjà. Donc, c'est pas gagné. Merci. Je vais à Agen ce soir et Toulouse demain. Donc, voilà. C'est génial. Ah ouais, c'est cool. Vous avez fait beaucoup de kilomètres, ouais. Là, 55. 55. Ouais. C'est l'équilibre est dur ou c'est difficile? Ouais, un petit peu, ouais. C'est ouais. Jamais simple. Ça fait longtemps que vous en faites? Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Génial. Bon, mais merci beaucoup. Ah ouais. Bonne journée. Et je vous félicite. Ah, merci. Ça fait plaisir, les gens qui sont gentils. Bonjour. Et tu marches avec. Non, mais Erwan, tu craques. Tu craques total. Erwan, il craque total. Attention aux enfants. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, donc là, on arrive sur la place. Ah, il y a beaucoup de monde. C'est très joli ici. Je laisse passer les gens. Donc il y a une très belle, hein, regardez, avec les arches et tout, c'est vraiment joli. Hein. Donc, alors vous imaginez que bon là, du coup, hop. Regardez comment c'est joli. Il faut qu'après je charge. Et alors le problème, c'est que j'ai pas de prise, j'ai pas la prise. Vous savez, il y a des prises qui permettent de charger sur les emplacements de marché ainsi de suite.
les prises camping, et en fait, j'en ai pas. Ouais. Non, je suis en gyro-roue. Je suis avec ça. C'est avec ça qu'on va essayer d'aller à Toulouse. Donc, voilà. Ouais, Steph, je vois le resto. Regardez, moi j'adore le mur. Mais c'est trop beau, regardez le mur, comment il est façonné. Coucou, je suis à Sauveterre de Guyenne et je vais essayer d'aller à Agen ce soir. Donc là, c'est là où je vais leur demander si je peux, si je peux charger en prenant un café. Normalement, ils sont plutôt cool. Personne tapote, non mais c'est pas grave les amis. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que je demande jamais s'il y en a qui veulent tapoter ou pas. On va essayer d'aller là. Je vais essayer d'aller dans ce resto, leur demander si je peux prendre un petit café et si je peux charger un peu ma roue. Non, ça charge pas très vite. Ça va être le problème justement, c'est que ça va pas charger du tout vite. En fait, là où je vais me faire avoir, c'est que d'habitude, sur l'autre roue, on a des chargeurs rapides. Et là, je n'ai pas de chargeur rapide. Donc autant vous dire que là, ça va être un petit peu la galère. Donc faut vraiment que j'arrive à charger. Donc là, je vous fais vite fait un petit tour, mais voilà, vous avez compris, je ne peux pas rester très longtemps. Il faut que j'arrive à prendre un petit café et puis surtout à charger. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vous montrer cette petite place parce qu'elle est vraiment sympa. Je la trouve très très belle. Encore une fois, c'est quand même très joli quand on voit là, dessous et tout. Je vais passer dessous. Regardez, quand même, c'est joli, hein. Oh, ça a du cachet de fou, ça a vraiment du cachet de fou. Merci pour lui, merci beaucoup les amis. Donc voilà, ça a du vrai cachet, la vraie pierre, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de vent en plus, donc ça par contre c'est un peu le truc qui est chiant, c'est que comme il y a beaucoup de vent, c'est où ça, Sauveterre de Guyenne. Et comme il y a beaucoup de vent, bah, le problème c'est que du coup je suis obligé de forcer plus sur la batterie. Et donc voilà, donc c'est moins pratique, quoi. A priori, t'auras pas de pluie, Steph. Mais écoute, moi, en tout cas, je peux te dire que j'ai pas de pluie, hein, parce que il y a gros soleil. Hein. Oui, et en France, c'est Sauveterre de Guyenne, c'est en Gironde, pardon, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, je vous montre l'église parce que j'aime bien regarder les églises. Je trouve que c'est toujours des monuments magnifiques. Oh, j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis un peu fracassé. C'est l'église de Notre-Dame, apparemment. Allez, je monte jusque là-haut pour vous montrer, puis après je vous laisse. Je vais essayer de trouver de quoi charger, parce que si je commence déjà à faire des détours, alors que je suis pas du tout arrivé. Un petit bonjour de Bordeaux, mais coucou Bordeaux. Ouais, je pense que je vais avoir chaud, mais sachez que vous allez voir, je vais longer le canal. Donc, en fait, je devrais être à l'ombre et plutôt pas mal. Mais je vous ferai de temps en temps un live, voilà. Très mignon, j'ai pas compris c'est où. C'est à Sauveterre de Guyenne, en Gironde. Voilà, regardez la porte. Enfin, les mecs à l'époque, ça rigolait pas quand même. Donc c'est en Gironde. Et là, je fais un Bordeaux direction Agen. Donc je vais à Agen, là. Voilà, voilà. Donc, mais je vous en referai des lives. Je fais pas des lives trop longs, je suis désolé, c'est que du coup il faut que je recharge et que je charge mon téléphone et tout, mais voilà, je vous refais des petits lives de temps en temps dans la journée si ça vous plaît. Ouais, n'hésitez pas à follow, comme ça vous avez vous savez quand c'est que où j'en suis. Et puis à la fin, de toute manière, je fais un petit vlog en même temps avec une caméra à côté, donc voilà, c'est cool. Quand même comme ville, très belle ville. Allez, faut que j'aille charger, je vais aller boire un café, je vais essayer de demander s'ils sont d'accord ou pas, et puis ben, je vous dis à bientôt. Je vais faire un live un peu plus tard. Merci beaucoup en tout cas, et puis merci beaucoup Nanou pour les roses, c'était vraiment cool, merci. Merci, les gens sont gentils, ça fait plaisir. Allez, je vais essayer d'aller là. Je vous dirai. Merci pour le café. Je vais aller demander si je peux boire un café. Ciao. Désolé, je reste pas du coup longtemps, mais à tout à l'heure. Je vous reprendrai tout à l'heure. Ciao.